Tu la veux, ma petite chatte? Ça a commencé là ou là? Enfin, Bernard, vous ne devriez pas avoir à réfléchir. Rappelez-vous de ce qu'on s'est dit. Alors, on reprend. Vous êtes malade. Et j'aimerais vous féliciter, car ce n'est pas une démarche facile de venir ici, mais c'est un premier pas vers la guérison. Vous souffrez d'une maladie qui vous conduit à avoir des comportements inappropriés, dont vous n'êtes pas tout à fait responsable. Ah bah. Bonjour. Excusez-moi, en fait, pardon, je suis un peu en retard parce que j'étais en train de me branler. On commence? Alors, petite question collective avant les présentations. Bon, à part Thibaut, qui est venu aux infidèles anonymes de son plein gré? Qui a eu le courage d'en parler ouvertement à ses proches, à sa femme? Bon, qui s'est fait gauler? Bonjour. Je m'appelle Simon Catassin. Moi, j'ai été élevé avec 8 frères, donc on est une fratrie, quoi. J'ai été suivi par une personne qui m'a expliqué que si j'étais infidèle, c'est rapport que je cherchais l'image de ma mère. Ah. Très bien. Et vous en pensez quoi, Simon? Bah moi, je pense que c'est des conneries. Parce que moi, j'aime bien les cougars plus. Les cougars tapés. Enfin, bien tapés. D'accord. Mûrs. D'accord. Mûrs, fin de carrière. Hein. D'accord. Oui, oui. Plus qui a besoin peut-être même d'assistance. Je parle aide Simon. À la personne. D'accord, Simon. Cougar, Et vous trouvez que votre femme était trop jeune? Non, bah, enfin, elle va vieillir. Mais je me demande si j'aurais pas dû peut-être partir avec sa mère. Tout d'abord, bonjour. Je m'appelle Bernard Pichot. Je suis secte addict. Addict, Bernard. Addict. Et mon infidélité est surtout liée à mon parcours professionnel, en fait. Parce que j'ai commencé en tant que serveur à Montpellier. Bon, voilà, ça a été la fête du slip, si vous voyez ce que je veux dire. Mm-hmm. Puis après, j'ai été plagiste, un Saint-Trope, boucherie. Puis après, j'ai ouvert une pizzeria échangiste, en fait, à Cavalère, le Pompidou. Ça vous dit quelque chose, le Pompidou? Non. Non, ça vous dit... Non. Et là, j'ai décidé de lever le pied parce que je voudrais sauver mon couple, tout simplement. Et donc maintenant, vous faites quoi? Je suis Géo au club. Tu la veux, ma petite chatte? Ça a commencé là ou là? Mais enfin, Bernard, vous devriez pas avoir à réfléchir. Rappelez-vous de ce qu'on s'est dit. Alors, on reprend. Tu la veux, ma petite chatte? Oui, oui, Bernard. Oui. Non, écoutez. S'il vous plaît. Non. Bon, madame, cette proposition ne m'intéresse pas, car j'ai eu une relation heureuse et équilibrée avec mon épouse. C'est très bien, Bernard. Bravo. Moi, je dis bravo, Bernard. Bonjour, je m'appelle François Rossignol. Je suis trader chez Goldman & Jones. Mm-hmm. Dans le travail comme dans l'amour, je profite de la volatilité des valeurs pour obtenir un rendement net. Ce qui veut dire? Un jour, je baise la graisse, un jour, je baise la stagiaire. Ah, très bien. Mm. Et alors, qu'est-ce qui vous amène ici, François? Mon avocat. Pourquoi? Disons que, comme beaucoup de personnes, le 11 septembre a changé ma vie. Ah, vous avez perdu un proche? Ma troisième femme, Stacy. En tout cas, je suis motivé, abstinent depuis... Quelle heure, là? Il est 18. 4h17. Ah bah, oula, oui. Moi, j'ai 18. Ça fait 2 heures. Bonjour, je suis Thibaut Simon Laurière. Alors, à l'inverse des personnes précédentes, je ne cherche pas d'excuses. Parce que je suis conscient, je suis plutôt fidèle à ce que je suis. Pour ma part, cet atelier est avant tout celui de la rédemption. Au nom de mon amour pour mon épouse et mes 2 enfants, je m'engage donc corps et âme dans mon premier stage. De cette année? Oui, oui. Et vous en êtes à combien déjà? 18. S'il vous plaît. Chut. Mais celui-là compris. Merci Thibaut. Tu la veux, ma petite chatte? Chut, taisez-vous. Tu la veux, ma petite... Oui. Je crois que maintenant, on va s'arrêter là. Hein. Tout le monde a beaucoup donné. Et on se revoit demain à 8h. Sans retard? Bravo, vraiment. Demain à 8h, sans retard, je compte sur vous. Vous avez 15 nouveaux messages. Oui, madame Marie-Christine, c'est Bernard. Je suis désolé, je pourrais pas venir. Je suis encore coincé dans le cul d'une pute. Marie-Christine, bonjour, c'est Thibaut, ça va vraiment mieux aujourd'hui, donc je vais pas venir, je me sens bien fidèle, merci, hein, au revoir. Oui, c'est vrai.
François Rossignol, j'ai pas envie de venir, ça me saoule. Au revoir. Oui, bonjour, c'est Simon. Bah, je suis arrivé hyper tôt, il y avait personne, donc je suis reparti.